Avez-vous un autre témoin à faire venir devant notre cour? Oui, je souhaiterais, Monsieur le Président, que la Cour veuille bien, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, entendre Madame la Ministre de la Francophonie qui est présente dans cette salle et qui souhaite apporter son témoignage. Madame la Ministre, est-ce que la Défense voit un inconvénient à cette comparution? Non, pas du tout, mais je voudrais finir un petit truc. Je vais te faire un truc personnel. La Cour n'a rien vu ni entendu, mais Madame la Ministre... Il fait ça à toutes les femmes. A noter d'ailleurs que peu de femmes sont présentes sur ce plateau. C'est vrai. Vous l'avez noté. Madame la Ministre, pas du côté de la Défense. Le tirage au sort a été celui qu'il a été, Madame la Ministre. Alors, en dehors de la parité, je suis la secrétaire d'État à la francophonie. À ce titre, je parlerai de Monsieur Vador. Mais Monsieur Vador, ça aurait pu aussi, tout simplement, et ça aurait été bien plus joli, l'appeler Marcheur Céleste, puisque votre nom est Sky White. Voilà. Et donc, Marcheur Céleste, puisque je suis secrétaire de la francophonie, je voudrais vous dire que j'arrive de la COP 21 du Bourget. Marcheur Céleste, c'est pas mal, on est réfléchi ça. Marcheur Céleste. À la COP 21, dont vous n'êtes pas signataire de cet accord universel. Ah non, vous avez ça, effectivement été accusé pour plusieurs choses. D'abord parce que étoiles noires comme étoiles de la mort sont des territoires où on n'a pas beaucoup vu de matériaux renouvelables. On peut noter aussi que la destruction de la planète adhérente a provoqué un réchauffement de plus de 3 degrés de l'univers. Alors à ce titre, j'estime que vous êtes responsable du dérèglement climatique. Et puis votre sable laser fonctionne au charbon. Alors, comment l'accepter en cette période où chacun a décidé de faire du mieux? Et puis en dehors de la francophonie, en dehors du climat, peut-être une dernière remarque, je suis aussi la secrétaire d'État au développement et à la solidarité. Solidarité, un mot que vous ne connaissez pas. Non. Solidarité internationale. Un budget en développement qui, depuis des siècles, est en baisse. Solidarité. Un budget qui, depuis des siècles, est en baisse. Et d'ailleurs, les ONG, Intergalactique, ont largement dénoncé ce budget depuis de nombreuses années. Alors, je voudrais aussi, pour finir, dire que la responsabilité sociale, c'est quelque chose qui n'a pas été suffisamment connu par l'accès, puisque le droit du...